Et c'est le petit chemin pour un nouvel épisode. Parle-world. Et la nouvelle est là. Attends, c'est qui ça? Attends, mais j'ai des nouveaux, non? Attends, ils sont tous mes nouveaux là. Ils sont où? Ils sont pas là. Ils sont là. Putain, mais lui, je l'aimais bien, mais vas-y, on va mettre lui, empereur orageux, qu'est-ce que c'est ça? Dégâts de foot qui augmentent, ça c'est quoi, empereur orageux, empereur... Ah d'accord, il y a forcément, oh là, il est où? Pff, il va me foutre de l'élec, mon gars, il va me foutre de l'élec comme jamais. Du coup, je pense que mon beacon, en fait, ça sert à rien de le prendre. Je pense qu'en fait, le beacon, je vais pas le conserver. En mode team bagarre, lui je peux le mettre en mode team bagarre parce qu'il est pas mal. Lui, je sais pas si le Fanglove je vais le garder puisque vous le savez, il est là, j'ai envie de le prendre à la place du Fanglove. Il est d'ores et déjà monstrueux, empereur glacial, il a tout quoi. Il a plus 20 de dégâts de type glace, il a plus 20 en attaque, plus 20 en défense, plus 15 en vitesse de déplacement, plus 15 en attaque, il est monstrueux. Frostralion, le boss, voilà, le papa, et il faut juste que je monte dessus. Et lui, en vrai, niveau 40, niveau 44, et celui que j'ai mis, il a quel niveau? Il a niveau 45. Je me tâte à le prendre avec moi parce qu'il peut avoir. Ouais, mec, il peut avoir coup de foudre, mec, il peut avoir tout en mode vénère. Non, mais mec, il peut être genre. Après, souvent, on me dit de rajouter des petites en mode un peu plus petite pour qu'il puisse enchaîner. Mais en vrai, lui, on va le prendre en mode électrique, il va être forcément plus balèze que l'autre. Je pense que lui je vais le laisser là. Et lui je vais le prendre en mode électrique avec moi. Parce que là du coup, là j'ai mon glace. Le truc c'est que lui il faisait glace et terre, c'était pas mal, lui il faisait terre. Parce que là il y a toute la team glace, lui il est en mode ténèbres. Lui il est en mode plante. Putain, je sais pas, Corben. Je sais pas quoi prendre, lui en mode plante il est aussi trop stylé tu vois. Putain, je sais pas quoi faire, parce que tu vois, mon Anubis en vrai, c'est... Ouais, mon Anubis en mode terre, il est très très sale quand même. En mode terre, il est très fort. J'avoue que je sais pas quoi faire. Là, j'ai du feu. En fait, lui qui était mode glace, on va le mettre sur un autre mode. Parce que là, du coup, je vais avoir la glace avec le Frostalion. Et je pense que le Frostalion, ça peut être mon... Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que le Frostalion, c'est pas le pal qu'on doit avoir? Regardez, celle pour Frostalion, c'est fait. Puis on le récupère. Et là, viens là mon grand. Attends, il est grand. Il est immense. Oh. Il a le double jump. Mec, il court, il vole, il fait tout. Il a l'air d'aller vite quand même. Non mais mec, il va beaucoup trop vite. Mec, c'est trop bien. Par contre, on peut pas fumer un pingulet. Là. Mec, il vole et il... Mec, il fait tout, il est trop bien. Voilà, on lui marche dessus. Ah ouais, nickel. Et là, on récupère des fluides de pâle. Mais mec, c'est incroyable. Il fume des petits. Les petits, mec, je lui marche dessus. Mais mec, il est incroyable. Par contre, on est loin. Pourquoi est-ce qu'on est loin comme ça de lui? Attends, mais là, c'est incroyable. Genre, je vais leur marcher dessus. Mec, c'est incroyable. Mais attends, mais il est irrespectueux, celui-là. Oh, c'est génial, fluide de pâle. Allez, c'est parti, fluide de pâle. Voilà, encore. Le fume. Voilà, fluide de pâle. Nickel. Bon, du coup, ça c'était la première étape. Je voulais faire un bête de Frostalion. J'ai un bête de Frostalion. Je suis hyper content. Un peu là, on y va. Poussière d'étoiles. Le truc, ce qui me saoule, c'est de devoir garder le... Bah mon Fanglove, je crois que c'est terminé en fait. Je crois que le Fanglove, c'est fini. Hein. C'est fini, lui, il sera là. Est-ce que lui, on peut kiffer avec lui? Je sais pas, il a l'air un peu vénère, lui. Je pense qu'on peut kiffer. Du coup, j'ai besoin de quoi? Ouais, et c'est ça que j'ai mis en place. Là, j'ai mis en place pas mal de deux comme ça, là. Mec, mais il y en a tellement. Les mecs, ils en ont fait tellement. Et je me demande si en fait, je devrais pas reproduire mon Frostalion. En fait, c'est ça que je me demande. Est-ce que je le mets avec un autre pal et je vois ce que ça donne? Je sais pas trop avec quel pal le mettre. Là, hop, ça part. Ça, c'est bon. On va mettre ça. Ah, mais c'est pas si fou, en fait. C'est des gros œufs gelés. Ah, je fais peut-être de la merde, là.
Peut-être qu'on a mis en place un truc nul. Parce que là, on a plein de Jarmundi, on est content. Ok. Je suis en train de me dire que là, c'est peut-être de la merde ce qu'on a mis en place là. Aïe. C'est peut-être pas un truc, un truc de ouf. Mais je crois que ça fait la version crisp du truc. D'accord. Bah écoutez, d'accord. Je crois pas que ce soit terrible, terrible. Attends, on a faim, on a dit qu'on avait faim. Voilà. On a bien mangé. Ça, on va le remettre là. Clac. Nickel. On est bon sur tout. Franchement, on commence à avoir pas mal de trucs. 300 de raffiné, 425 de... On est pas mal. Est-ce que je me ferai pas des petites sphères légendaires? Là, j'en ai 90, là, j'en ai 150, donc je suis armé. Objectif, retourner sur l'île. Là, on refait à peu près le même niveau. On refait le même délire qu'hier. On retourne sur l'île. Juste là, est-ce que mon Frostalion, je le mettrai pas en reproduction? C'est ça la question que je me pose, tu vois. Est-ce que je le remettrai pas en reproduction? Je vais regarder avec quoi ça rentre. Est-ce que je triche ou pas? Putain. Parce qu'en gros, je me dis, il faudrait que je le mette avec le truc le plus balèze. En gros, il faudrait que je mette le Frostalion avec, avec un Shadow Beak. Faut voir ce que ça donne, quoi. Putain, ça... Oh là là, pourquoi ça fait ça? Oh là là, on a disparu. On est de retour. Je sais pas, je pense que je vais le prendre avec moi. Je vais me déplacer avec lui. Les deux là-bas, je vais juste arrêter la reproduction, je pense. Je pense que eux, je vais arrêter la reproduction. On en a fait pas mal. Du coup, je vais mettre deux balèzes, quoi. Je vais mettre deux super balèzes. Un Shadow Beak mâle avec un Orsec femelle. Vas-y, on va faire ça. Shadow Beak mâle, Orsec femelle. Et advienne que pourra, voilà. Allez, viens là. Pardon, je suis un peu malade. Ah merde, putain, j'ai pas viré le bon. Oh le con. Attends, si j'ai viré le bon ou pas? Ah oui, c'est bon, femelle. Et donc faut que je récupère le Shadow Beak. Shadow Beak est quand même apparemment assez nul. Voilà, le Shadow Beak. On va tester ce que ça donne. Les deux là. Tac. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça baise. C'est bon, c'est parti pour l'accouplement. Et nous, on va se balader direction l'île. L'île de la mort. L'île de la muerte. Vamos. Surtout ne pas aller, alors je vous déconseille d'aller par là, hein, vraiment, on ne peut pas y aller. Ça fait une belle caquette par contre, c'est très... Et j'ai vu qu'il y avait le Liline Nock, qu'on n'avait pas non plus. On a récupéré la Liline, on n'a pas la Liline Nock, et en fait, c'est un boss. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller sur l'île, récupérer les deux pales qui nous manquent, et de récupérer la Liline Nock, et après il nous manquera plus que les boss, je pense. Après il nous manquera plus que les boss, quoi. Enfin, de ce qu'on a découvert. Ah non, et le fameux 61, voilà, que je sais pas qui c'est. Pardon, on va y arriver. Pardon, décidément. Désolé. Mec. Ouais, je me suis dit, il faut qu'il vole. Allez, on avance. Je sais pas si c'est le plus rapide. J'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus rapide que mon... Mais est-ce que s'il va dans l'eau, il meurt? Parce que attends, faudrait peut-être qu'on sorte l'autre. Au pire, on sort l'autre. Attends, mais là, on y va. Mec, si, il est beaucoup plus rapide. C'est le plus rapide? C'est le plus rapide? Il est beaucoup plus rapide, mec. Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que le Phalaris. Hop, là, on va sauter. Boum. Hop, on y va. Mec, il est beaucoup plus rapide que le Phalaris. C'est le jour et la nuit. Ok, est-ce qu'il y a des pales qu'on aime bien, là? Zone sauvage. Clément court. Le Bushi. Tiens, on l'a pas, celui-là, le Bushi. Ça fait plaisir. Le Bushi, le Bubu, le Chichi, le Bushi. Non, mais le Bushi va se détendre. Bon, Frostalion, calme-toi. Non. Calmez-vous. Malade, celui-là. Il fout, lui. Bon, voilà, fin de tournage. Truc de milice. Incinéra Nock, on s'en fout. Du coup, ouais, il faut que je prenne le... Je vais prendre le Phalaris. Il est plus lent, du coup, on va pouvoir checker. On pourra checker qui on a. En haut, c'est là où il y a les big boss. C'est à chaque fois en haut qu'on a eu des big boss. Peut-être que je me trompe, mais... S'il te plaît, dis-moi que tu pop un truc stylé. Putain, ça on s'en branle, on s'en fout de lui. On va le fumer.
Voilà, désolé mon grand, c'est fin de tournage pour toi. Quoi? J'ai mis fin de tournage pour toi, j'ai dit. Voilà. Suivant. Suivant. J'ai la gorge qui me gratte au pire des moments. Putain, j'ai cru qu'on l'avait pas. On l'a totalement. Frostalion, on l'a. Enfin, c'est pas Frostalion, là. Je confonds Shadowbeak. Shadowbeak, on a. Écoute, on va faire des petits tours. Bienvenue dans les petits tours. On fait des petits tours, des petits tours. On fait des petits tours. Attends, faut juste pas que je sois repéré par les méchants. Lui, relou. Je vais voir si j'ai toujours le même là-haut. Là-bas, il y a un Bushi. Ok, ok, un bullshit même. Et là, du coup, vas-y, putain, c'est le même qui pop. Fais chier. Fais chier, je pense qu'il faut que je sorte et que je revienne. Je vais le fumer quand même. Putain, c'est incroyable ça. Sans déconner, c'était incroyable. Allez, viens là, toi, viens là, mon Pégase là. Mon Pégase ? Je vérifie, hein. Je vérifie, on sait jamais. Non, il y a un Bushi. Ah putain, un Fenglop, ouais, le Fenglop, décidément, c'est pas, voilà, c'est pas celui qu'on va suivre. Est-ce qu'il faut que je sorte ? Un autre Bushi ? Non, j'ai l'impression qu'en vrai, ça, il pop des nouveautés, quoi. Mec, j'ai l'impression que vraiment, ça pop des nouveautés. Par contre, Frostalion est mille fois mieux. Là, il y a un Bushi. Après, je sais pas s'il faut que je les bute. C'est vrai que pour moi, j'ai simplifié le... J'ai résolu le problème, quoi. Pour moi, je les tue à chaque fois. Là, on a un Fenglop. On a rien Bushi. Putain, on fait chier, là. On va vite, quand même. Là, franchement, on va vite. Il a de l'énergie. Là, un Fenglop. Est-ce que là-bas, un incinère... En vrai, ça change à chaque fois, hein. J'ai l'impression que ça change à chaque fois, quand même. J'ai confiance. Un Fenglop, là. Là, un Bushi. Est-ce que si je lui faisais une petite morsure du blizzard? Voilà. Comme ça, il va pas revenir. Ouais, comme ça, il va avoir un petit souci, quoi. Un petit souci, il va pas pouvoir revenir. Je me demande si c'est le plus rapide, parce qu'il a l'air quand même très rapide. L'ambiance est bizarre, l'ambiance est délétère. Ok, on se refait un petit tour. Un Fenglop. La milice, attention, la milice, c'est chiant. Là, c'est re la milice, donc c'est chiant. En fait, j'ai... D'accord, il y a... Ah putain, ça c'est le hors-sec là. Putain, dommage, 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 dommage. On n'a pas le gros là en feu là. On a le Bushi, on a le Bushi. On a refait un tour. Bon, en vrai, il y a un reset à chaque fois. Ça c'est cool. Et là, on a un incinère knock. On s'en branle, ça fait chier. On va essayer El Cristalline si tu veux bien. Ah, d'accord. Ben voilà. Fais-moi penser de plus jamais utiliser cette merde. Bon, pour le moment c'est pas concluant. Pour le moment c'est pas concluant, mais c'est normal, on fait des petits tours. Oula, oula, ça c'est la milice, faut pas qu'il me chope. L'orsec, on l'avait capté. Là, non. Mec, je suis sûr qu'on a la bonne méthode. C'est juste un peu chiant, mais on a la bonne méthode. Je sais pas juste s'il faut les buter ou pas. Là, il y a l'autre, et là, c'est encore un Bushi. Là, hop, on va là. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est la milice, donc ça nous intéresse pas. On dégage, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Et on est reparti pour refaire un nouveau tour. Là, c'est du Fenglop. Est-ce que eux, on les bute? On essaie de l'attraper. On lui a fait mal, là. Là, on lui a fait mal, quand même. Ah bah merde, j'ai jeté une boule pour rien. Ah, le bruit est agressif. Ah mais en fait... Ah mais quand je suis avec lui, genre j'envoie des bastos mais gelés. Ah. Ah merde, il nous a curse. Ok bon. Allez, commence pas à faire chier. Voilà, tac, je te récupère, c'est parti. Non mais arrêtez de faire les shows là, arrêtez de faire les shows. Voilà, on t'a récupéré le Bushi. Là c'était le Bushi qui est là, là il y a le Fenglop et là il y a quoi qui pop, il y a un Incinère Knock. C'est un peu frustrant, c'est un peu frustrant, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire pause. Ah je vais faire pause et je vais vous mettre quand il y aura un truc intéressant. Ça y est. Allez, rentre,
Oh, je me suis cassé la jambe. Pff, on a un Blasamust. On a un Blasamust. Alors attends, je vais mettre en... Allez, d'entrée de jeu, on tente. On tente. Il me fait un petit Inferno, y a pas de problème. Une chance sur 5. En fait, j'ai pas envie de lui mettre une Bastos. J'ai oh, vas-y, calme-toi par contre. Allez, stop. Putain, le Blasamust. Empereur enflammé, solaire. La légende raconte qu'il serait né de l'éruption d'un volcan mystérieux qu'on prétendait à une époque que cette terre n'était autre que le dos d'un Blasamut géant. Oh, Blasamut. Putain, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Putain, c'est bon. Écoutez, ça, c'est déjà pas mal. Il nous manque plus qu'un seul, pas, je crois. Là, il y a un Phaleris. Il y a un Bushi. Est-ce qu'on va retrouver un autre Blasamut? Franchement, j'ai fait 4 tours de plus, quoi. J'ai stoppé, mais j'ai fait 4 tours de plus. Et au bout d'un moment, bah, ça reset tout. Donc, vas-y, on le retrouve, là. Tu vois les zones de spawn. Et tu vois où ça reset. Est-ce qu'il va y avoir un autre Blasamut? Là, il y en a un qui spawn, normalement. Ok, il a pas spawn, là. Est-ce qu'on a un autre Blasamut? Blasamut. Attends, non. Attends, mais oh. Ils m'ont niqué un tour, là. Ok, bah écoutez, je continue et puis j'essaie d'avoir le dernier, quoi. En gros, là, on a fait le boulot. Hein. Là, on a fait le boulot, donc le 61 qui nous manque. Là, on a tout le monde, il nous manque juste le 61. Là, tac, tac, tac. Là, j'ai cru qu'on l'avait pas. On l'a. Il nous manque juste le Astégon. Oh, on a le Blasamut. Allumage de feu 3. Peut-être utilisé comme une monture pour se déplacer. Les attaques de type feu sont renforcées lorsqu'il est monté. En vrai, il a du style. Hein. En vrai, il a du style. Je sais pas s'il est très fort. Mais stylé. Après, bon, voilà. On a le Frostalion, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. On peut être utilisé comme une monture pour voler, voilà, renforcer les attaques de Tiglas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. On a le Big Boss du Big Boss, là. C'est marrant parce que le Shadow Big, j'ai l'impression que vraiment, il est pas fou, quoi. Alors qu'en fait, il est pas si mal. Pour péter le Shadow Big, il va nous falloir quoi comme... Il va nous falloir quoi comme truc? Il est donc juste ténèbres, il nous faut de la glace. Ah non, ténèbres, putain. Donc il nous faut des dragons. Attends, mais il y en a plein des dragons. Il y en a plein des types dragons, là. Est-ce qu'on peut pas les classer par type? Ça, c'est un peu dommage. Lui, il est pas dragon, lui, il est dragon. Lui, il sera super, dragon électrique, c'est nickel. Lui, il est dragon feu, dragon eau. Bon, on va se faire un méga Jormundid pour aller le fumer. Pardon. Décidément. Lui, il est dragon, mais bon, il me semble pas très agressif. Dragon élègue, non, après, c'est de la merde, hein. Ouais, l'azur robe, mais en vrai, je pense que c'est un peu de la merde. Faut juste pas... En gros, attends, dragon... Faut juste que je fasse gaffe, genre, que j'associe pas un truc que lui, il baise. Genre, type. Il baise le neutre. Bon, en vrai, ils sont nuls. Le dragon, c'est le pire, en fait. Il baise le neutre, mais il n'y a pas beaucoup de neutre. En vrai, c'est pas mal. Oh là là, il galope. Voilà, un fenglope. Est-ce qu'on a un autre? Si on en a un autre, ça fait plaisir. Là, c'est un truc normal. C'est un truc classique. Est-ce qu'on peut avoir le dernier, comme ça, le Astragon, là? C'est terminé, on n'a plus rien. Mec, il nous pop plus rien. Mec. Oh. Oh, le mec, il nous pop plus rien, putain. On va attendre la nuit, peut-être. Il y en a un autre. Mayday. Il y en a un autre. Come on. Il faut juste que je descende, que je récupère l'autre parce qu'il est agressif. Ok, on va le fumer juste, il y a des milices, donc faut qu'on fasse gaffe. Ça, je vais éviter de lui envoyer dans sa gueule. Allez, le Blasamut. Bienvenue, Blasamut. Voilà, bienvenue. Ok, peut-être que... Pas mal, 30% là. 30% en vrai, c'est pas mal. Ça va faire le job. Oh, j'ai été con, j'ai failli le tuer. Là, faut envoyer juste des bouboules. Et dos blasamut. L'autre, c'est sûr que l'autre, il vient que la nuit. Je me rappelle. Il est dans un style nuit, tu vois, nocturne. Nocturne ténèbres, mes couilles là. Donc il a cette ambiance de nuit, tu vois. Eux, il est là que la nuit. Donc c'est bon, quoi, on a compris. Enfin, il est pas là que la nuit, mais t'as compris, quoi. Ils sont un peu en style nocturne. Je suis sûr que. Là, on a fait 12 000 tours.
Je suis sûr qu'il apparaît que la nuit. Donc je vais attendre la nuit patiemment. Et en vrai, c'est le dernier qui nous manque, non? Là, on les a tous. 133 sur 134, je pense. 133 sur 134. Je pense qu'on les a tous. 129 d'enregistrés. Il nous en manque 4. Donc les 4, c'est les... ces 3-là plus le lui. Et il nous manque, il nous manquera le 61. Et on aura tout fait. Putain, en vrai, je suis content. En vrai, je suis content. On a bien grind, là. Sauf lui, quoi. Aucune idée de où il peut être. Putain, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. On attend la nuit. La nuit arrive bientôt. Voilà, tout de suite pour la nuit. Oh, les gars, ça y est, c'est la... enfin, c'est quasiment la nuit. Je suis juste allé faire un petit aller-retour pour aller chercher à bouffer. Pas moi, mais pour les pales. Les gars, le goal, il est là. L'objectif, il est là. Est-ce que je bute d'abord lui? Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Putain! Non, mais il est trop chaud lui en fait! Ouais, faut que je me casse, il est à combien de vie? Un peu dans le cul. Il m'en faut encore un petit peu, je pense. On essaye. 30%, et on complète le pack. Je comprends pas cette gestuelle. Putain, on a fait le boulot. Il nous manque le 61 et on est grave bon. On les a tous. Lui, il est quoi? Il est dragon ténèbres. Waouh. Lui, il peut être grave utile. Le dragon ténèbres, là. On peut prendre tous les dragons, là. Lingot de pallium, quartz pur. Extraction niveau 4. Oh, bah lui, on va le mettre à la mine, hein, mon ami. Hein. Et on peut le reproduire ou pas? Attends, est-ce que je peux en prendre 2? Mais bien sûr, on va en prendre 2, mais bien évidemment, c'est reparti, là, c'est bon, ma gueule. C'est bon, ma gueule, attends, je recharge juste. Est-ce que je lui mettrais pas une grosse golden d'abord? C'est peut-être risqué. Ça l'a pas tué, hein? Bah, ton gros laser, là. Non! Mais pourquoi je fais ça? Il avait l'air super. Non. Attends, reste là. Non, qu'est-ce que j'ai merdé. Après, il y avait peut-être que des Astarions, là. Attends, mais lui, c'est quoi? C'est le truc de feu qu'on avait déjà? Oh, mec, j'ai vraiment déconné. Putain, j'ai vraiment déconné. Oh là là, je lui mets une énorme bastos. Le truc, il résiste. Je suis en mode, oh, comment ça, tu résistes? Comment ça? Lui, c'est quoi? C'est un Blasamut? Blasamut, on a déjà pris 3, tu vois, on est déjà content. Il nous faut plutôt un deuxième, quoi. Un deuxième, histoire de qu'il fasse des enfants. Je sais, Shadow Beak, on s'en branle. Putain. Oui, non, Shadow Beak, t'es nul. T'es nul, globalement, t'es nul, oublie pas que t'es nul. Nous, on doit prendre un Blazarion, là. Issarian Nock, on s'en fout. Là, ça va repop. Issarian Nock, bien sûr. Là, un Bushy, on s'en fout. Là, il y a pas un autre. Ça, c'est une série Anok, on s'en fout. Salut, mec. Non, fais pas le choix avec moi. Pas le choix avec moi, tu vas perdre. Tout bon pour qui? Là, ça a mis un truc de milice. Là, putain, c'est un Fenglop. Ah, putain, il y en a 2, je les bute. En vrai, je m'en fous, je les capturé, je les ai tous capturés au moins une fois. Mais juste déçu, quoi. Série Anok, on s'en fout. Suivant. Là, il y a une milice. Là, c'est un Fenglop. Mec, ouais, le Phaléris. Oh, il est là. L'Astarion. Masculin. Je sais pas si on a pris un féminin. Je sais pas du tout si on a pris un féminin. Donc, d'entrée de jeu, je vais me présenter. Je vais dire bonjour. Bonjour. On essaye. 20%. Dans le dos, 25%. Dans le dos, 25%. C'est quoi ta vie? Mais mec, mais t'es d'une faiblesse! Putain! Mais t'es faible! Putain! T'as pas un de ton fils! Mais c'est fou, il est d'une faiblesse sans nom, ce connard! Moi, j'y peux rien, moi, je fais un boulot de ouf!
Non mais c'est fou, là c'est un finglope, on s'en bat les couilles, putain, il était tout luisant là, il était délicieux. Ah putain, il m'en faut deux, il m'en faut au moins deux. Il faut que j'en capture deux. Objectif doublette. Objectif doublette. Moi j'ai un frostalion féminin, important pour l'avenir. Si je me bats genre contre un boss, que j'aille voir si c'est un masculin ou un féminin quoi. Parce qu'en vrai, si t'as deux frostalions, tu te fais une armée de frostalions. Après, je pense que moi j'irai pas jusque là, tu vois, jusqu'à ce tryhard là, tu vois, où tu te dis, attends, mais je veux le big boss de la glace. Là, il n'y en a pas un de couleur là. Putain. Là, non, c'est pas bon. Est-ce que ça pop la petite couleur? Non, c'est un Bushy. Et là-bas, peut. Là, c'est un Bushy. Là, c'est un Fenglop. Est-ce que là, il y a un nouveau? Peut-être un peu de chat. Non, c'est un Incineroak là. Ah, putain, il faut que j'arrête de les buter. J'en ai buté deux de trop là. J'en ai buté deux de trop. En même temps, bon, voilà quoi. En même temps, je suis désolé. Le mec, je lui mets des grosses golden dans sa gueule. Je devrais pas utiliser genre un gros truc comme ça. Donc là, j'ai rechargé. Allez. Penglop. Allez, un petit truc lumineux là. Petit truc lumineux là pour le plaisir. Petit truc lumineux. Come on. Come on. Let's go, je le bute pas. Je le bute pas, je vous jure, je le bute pas. Je le bute pas. Je le bute pas. Fenglop, reviens. Reviens. Voilà. Petit 1006 là, dans sa gueule. Pourtant, il a 1006 de vie quand même. 35%, une chance sur 4, une chance sur 4. Je m'en fous, j'envoie des boules jusqu'à ce que je l'attrape. Ben voilà. Non mais c'est fou comment le jeu il joue avec mes couilles là. J'ai pas vu ce qu'on a attrapé comme type de sexe. Mais bon on s'en fout, on en a attrapé deux en espérant qu'ils arrivent à faire l'amour. Je veux faire l'amour! En espérant qu'ils arrivent à se reproduire tous les deux. Et puis voilà, on a fait le boulot. Objectif maintenant. L'objectif c'est d'aller, bon non pas là tout de suite, je me sens pas encore armé, mais d'aller récupérer la Lilinok. Choper la Lilinok. Cybélix, tout ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, tout ça c'est. Ah, j'ai cru qu'on l'avait pas fait lui. On les a tous faits. Là il y a la tour qui est là. Lui, le G-Dragon, je pense que ça va être une belle bataille aussi. Mais elle est pas genre légendaire, donc elle, ça devrait aller, tu vois, pour l'attraper en vrai. Pas besoin de prendre une grosse bouboule légendaire. Je pense que elle, on y va, mais par contre, on l'a pas. Donc. Elle est pas dans le. Tiens, on l'a pas découverte encore dans le pal des trucs, donc. Pour moi, c'est pas une qui manque vraiment, mais elle manque quoi, tu vois. On sait qu'elle existe, donc on va la faire. Et on aura tout rempli, quoi. À part le 61. Le fameux 61. On va tomber dessus au hasard, tu sais. Je prends une petite âme de pain, hein, ça mange pas de pain. Allez, on y va, let's go. Vous êtes le 61, non? Mec, c'est fou de pas avoir trouvé un pal quand même. Parce que j'ai vraiment fait toute la map, quoi. Je pense que je vais me renseigner. Ça me fait trop. Tu sais, ça m'énerve. Je pense que je vais quand même me renseigner. Je vais me renseigner. Je vais faire un petit tac-tac. C'est quoi le pal 61? C'est un bout d'un moment, c'est bon quoi. Du coup, on doit aller où? On doit aller par le nord. Nord-ouest plutôt. Bien là. Mais avec le Frostalion, quand même, ça a de la gueule. Frostalion, ça a de la gueule. Mais en fait, elle peut être par là, non? Oh, tu sens l'entrée ici ou pas? Tu sens l'entrée là, non? Et tu vas dans la. Oh, attends, c'est là-haut. Ben voilà, c'est là-haut. C'est bon, je commence à maîtriser le jeu. Dès que t'as des petits trucs de flammes et tout, c'est une entrée de grotte, c'est bon, on connaît. Bien, ouais. C'est bien pensé parce que c'est un petit indice et en même temps, c'est pas non plus spoil de ouf. Ok, bon, pas d'erreur. Je me demande, boss niveau 49, c'est de la glace. Enfin, non, c'est Lilinok. Lilinok, c'est quoi? C'est glacé ou pas? Ça peut être ténèbres. Contre ténèbres, attends, contre ténèbres, c'est quoi? C'est électrique? J'ai peur de. Mais vas-y, balance tes ultra sphères, mec, y a pas de problème. J'ai peur que si je le lance lui, il la bousille en fait. J'ai peur qu'il la fume en 15 secondes. Et je serais très dégoûté, tu vois. Je serais blasé d'attendre une heure après pour pouvoir récupérer le bousin. Voilà. Écoute, le suspense est à son comble. Hop là, on y va. Bonjour. Elle a 3000 de points. En vrai, je pense que je peux me la faire tout seul. Ok, attends, doucement. Oh, je prends que 500. Attends, je vais jeter les legs quand même pour voir.
Au moins qu'elle le focus. Voir s'il le fume en deux ou pas. Oula. Il fait rien. On est sûr que l'électricité fait quelque chose ou... Pas ouf, hein. Petit 500 en moins, ça mange pas de pain. Mais mec, mais c'est tellement... C'est tellement jouissif le... Tu sais que genre j'ai pas besoin de l'autre, hein. J'ai vraiment pas besoin de l'autre en vrai. Non, tu peux me recharger? Attends, je vais rappeler l'autre, non? Quoique l'autre lui fait pas trop de dégâts. Il lui fait quoi comme dégâts? Parce qu'il faut pas qu'il se réveille. Ah, il lui a fait 300 de dégâts quand même. Il lui a fait 300 de dégâts, attends, reviens. Là, normalement, techniquement, si je lui mets une petite bouboule. Ensuite. Attends. Déjà, on va essayer de l'attraper comme ça. Ça sort, je lui mets une boule. Et là, je l'attrape. Là, elle était étourdie quand même. Elle était étourdie. Mec, là, je peux pas me permettre. De vie, c'est terminé. Je peux pas attraper plus. Mec, je vais pas mettre une légendaire. Stop. Terminé. Le jeu terminé. Terminé. Le Paldex. Terminé. Celui-là, on l'avait. Voilà, celui-là, on l'avait pas. Pas mal, hein. C'est un quoi? C'est un ténèbre. Donc, j'étais pas du tout bon avec mon électrique. Travaux manuels 3. Ouais, elle est pas mal, hein. Putain. Mais elle a semence 4. Ah, mais elle faut la mettre sur un champ, là. Ah, c'est pas mal du tout, quand même. Elle, on la retrouve que en mode boss. Ok, bah, let's go. Écoutez, on a tout, hein. 134. On les a tous. Non, il nous en manque un. Il nous manque le 61. Je vais voir où c'est. Je m'en bats les couilles. Non, je me déplace à tout hasard. Voilà. J'aime bien parce que le jeu, vraiment, il y a un espèce de truc hyper exponentiel, tu vois. Genre, au début, tu galères. Tac, t'attrapes les petits pas, les petits trucs, les machins. Et à la fin, t'as tellement accumulé de puissance que ça, tout va beaucoup plus vite. Même s'il y a des boss beaucoup plus forts et tout. Je trouve que le niveau du jeu est bien campé. Je vais aller par là, comme ça, à tout hasard, je vais aller par là, voilà, je vais me balader, c'est tout, je vais me balader, voilà, petite balade à dos de Frostalion, voilà, c'est tout, voilà, petite balade à dos de Frostalion, voilà, petite balade tranquille, voilà, on se balade, ne dis pas que c'est un truc qui est que là la nuit, hein. On se balade. Ça a l'air d'être que là la nuit, putain de merde. Putain, il est que là la nuit, le con. Putain, et on est en plein début de journée. Putain de merde. Putain, il est pas là, le con. Il est pas là. Il a pas l'air d'être là. Dans le volcan, peut-être? Non. Putain, il est pas là, le con. Non. Après, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a des Hendrix là. Putain, mais sans déconner. Non, mais mon instinct me dit qu'il est dans le coin, c'est tout. C'est mon instinct qui me dit ça. Lui, c'est quoi? C'est mon Frostalion? C'est ça, non? La grosse crinière et tout. Superbe. Bah écoutez, on va attendre la nuit. Super. Bon, en attendant la nuit, je suis retourné au camp. J'ai fait un petit peu de minage, voilà. Et là, regarde-moi ça, elle est là. Elle est super. En vrai, elle est stylée. Hein. Est-ce que je la ferai pas se reproduire avec le... Écoute, eux, ils sont bien produits. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Ces deux-là. Je sais pas trop. On verra. On verra ce que ça donne. Écoute, c'était censé être à peu près les plus forts de ma team. Là, ça a donné quoi? Les petits Rocris, d'accord. C'était prévu, ça c'est là. C'est le. Reproduction contrôlée. Là. Et là, on sait pas ce qu'on va avoir. Mec, si on a la même chose, je suis dégoûté. Parce que c'est pareil, c'est des gros œufs. C'est gros œufs, c'est pas énorme œuf. Ouais, c'est gros œufs gelés. On s'est fait plein de Cryptocris là.
Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ok, on a fait pas mal de trucs. Ça, on est comment on a... On peut se faire de la fibre de carbone. On a combien de fibres de carbone? 125. On va se refaire 100. Et on se refait 125. Ça prend 600 de charbon de bois, ça part. Tac, tac, tac. Non, 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 c'est pas ça, je veux pas. Hop là, Anubis, c'est parti. Donc ça, on se fait ça tranquille. Est-ce qu'il faut que je répare des trucs? Non, je suis bien. Voilà, écoute, on prépare. On se remet un petit peu d'aplomb en attendant la nuit. C'est vrai que je peux faire ça maintenant. Des greux. En vrai, ça peut être utile. En fonction du style de pâle. Pour les bloquer. Grenade gelante adaptée au combat moyenne distance. Implose à l'impact pour geler les environs. Électrifier les environs. Brûler les environs. C'est pas mal du tout, ça. Ça, je pourrais en faire plein. Ça, je peux en faire en max. Je peux en faire 180, ça merde. Ça, je peux en faire... je peux en faire pas mal aussi. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas compris. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, il a besoin d'aide. Le grand. Écoutez, on va aussi mettre à faire des petits... ça, on en a combien? On a 400 et ça, on en a 300. Écoute, on va déjà voir combien on peut me faire de... Merci. Putain, mec, ça tourne tellement. Le camp, il tourne tellement. Oh là là, là le plaisir. Oh, le plaisir. Le camp, il tourne tellement bien. Là, on en a toujours 1000. Là, on va en faire... au max, on en fait 200. Ah, c'est bien d'en avoir 500, quand même. On va faire 500 de ça. Oh, je suis tatillon, je suis tatillon. Voilà, on en a 500 de ça. Et là, tu me fais le reste avec ça. Clac, voilà, 50, ça mange pas de pain. On est bien. Là, vous avez de la bouffe, on va plus savoir qu'on foutre. Nous, on est bien. La nuit, elle est pas prête de tomber. J'ai envie de retourner de nuit. J'ai envie qu'on termine ça, quoi. Qu'on se dise le paldex, c'est fini, quoi. J'ai envie qu'on se dise le paldex, c'est fini. On a fait le boulot. Parce que là, après, en gros... bon, ça, je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que je devrais pas les faire se reproduire, là? Attends, je vais mettre d'autres gars à se reproduire. Bon, eux, c'est très cool. Lui, on a une femelle, un mâle. Parfait. Parfait. Bah, eux, ils vont forcément faire des astergons. Est-ce que j'ai envie d'avoir des astergons? Franchement, c'est dragon ténèbres, c'est pas mal. Lui, c'est juste feu. En vrai, je m'en fous. Est-ce que genre une Liline, ça peut être monstrueux? Elle est nocturne. Non, il vaut mieux ça. Je vais faire se reproduire les deux, là. Donc lui... Attends. Ouais, c'est lui. Tac. Et lui. Tac. Ok, donc les deux, je les récupère. Viens là, putain, la con de toi, là. Viens là. Qu'est-ce qu'ils font? Hey, ils bossent? Ils bossent? Mais mec! Mais mec, c'est des putains de bosseurs! Mais mec, mais c'est trop bien! Mais mec, mais ça bosse de ouf! Mais attends, mais merci! Mais merci pour le travail! Merci pour les travaux, les gars! Merci pour les travaux! Là, on en a combien? Il reste 1400. On est juste. On est juste. Attends, mais merci pour les travaux, les mecs! C'est incroyable! C'est incroyable! Ok, on en a toujours un petit peu. Ça bosse, hein, les gonzes! Après, il va falloir baiser un petit peu, là! Il va falloir baisouiller un petit peu, les gars! Non, mais c'est important, la petite baisouille, là! La petite baisouille! Petite baisouille! Ah, ça bosse, c'est bien, ça! On est comment? Fibre de carbone, je sais pas combien j'en avais, en fait. Je sais même pas si c'était utile. Je sais même pas si c'était utile. Est-ce qu'on peut me faire des... là, c'est quoi, ça? Est-ce qu'on peut me faire des gros suppos? On peut me faire 20 suppos, c'est pas énorme, hein! Et il faudrait que je refasse un petit coup de soufre. Après, le soufre, ça va être tout le délire. On n'a pas encore découvert l'intégralité du volcan. On fera découvert du volcan plus soufre. On a encore pas mal d'épisodes, hein, je pense. Hein, parce que les boss et tout, ça va être coton. Je pense qu'il y aura des épisodes d'échecs. Mais bon, bah voilà, écoute, il fait pas assez nuit. On ira récupérer le dernier tranquillou. Tranquillou, bilou, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Moi, j'ai bien kiffé. On évolue, franchement il nous manque un pal. Il nous manque un pal et on a tout bouclé, ça fait trop plaisir. Et après on va s'attaquer au dernier boss et au dernier tour. Putain, bonheur. Bonheur. Ciao mon pote.